Good morning, Aleiden Letus, aujourd'hui, le Nishmat Amrimiona Ben Chana, Nissim Ben Ahuda, Sarah Ben Chana Rachel, ainsi que l'Enfouat Ari Akiva Ben Shachar, RFL Zvulun Ben Chayam Lea Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi les deux prochaines études de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Avot, Perek Dalet, Mishnah Chaf Bet, Hu Haya Omer, Ailodim Lamut, Vametim Lehechayot, Veachayim Lidon, Leida, Lehodia, ou Lehivada. Shehu El, Hu Ayotzer, Hu Abore, Hu Amevin, Hu Adayan, Hu Ve'ed, Hu Baldin, Vehu Atid Ladun. Baruch Hu She'en Lefanav Lo Avla, Velo Shichecha, Velo Maso Panim, Velo Mikar Shochad, Shakol Shelo. Veda Shakol Shakol Lefi Acheshbon, Vale Avtichacha Yitzarecha, Shasheol Bet Manoslach, Shal Korchach Atanotzav, Al Korchach Atanolad. ועל כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Une משנה dont l'auteur est Rabbi Elazar Akapar, l'auteur de la משנה précédente, qui remet les idées en place en nous rappelant que tout sera jugé dans les moindres détails, et en nous disant, « Ha'ilodim lamut » que ceux qui naissent sont prédestinés à mourir. Vametim le hechayot. Et ceux qui sont morts sont prédestinés ensuite à revivre, sauf qu'il n'y a pas écrit l'ichayot, mais il y a marqué le hechayot, c'est à recevoir la vie en retour. C'est-à-dire Hachem va les faire revivre. Vachaim lidon. Et ensuite, lorsqu'ils reviront, alors, ensuite, ils seront jugés dans les moindres détails, à savoir, pour savoir, pour décider, est-ce qu'ils auront le mérite d'entrer, de prendre part au monde futur ou non. Il remet donc, Rabbi Elazar Akapar remet les idées en place en nous disant, sache que dans cette vie, tu es passager, on a un nombre de jours limités à remplir, à faire de bonnes actions durant ce jour limité, parce qu'ensuite, on va quitter ce monde. Et lorsqu'on va quitter ce monde, ne crois pas que c'est fini, comme ça va être expliqué ensuite, longuement dans la Mishnah ensuite, mais tu vas être ensuite rappelé pour revivre et te faire juger est-ce que tu mériteras ou non, d'accord ? Leida, lehodia ou lehivada. Ce sont trois formes de verbes qui sont liées au mot date, savoir. Leida, afin que tu saches. Lehodia, que tu fasses savoir, à la forme factitive. Ou lehivada, et que tu te fasses savoir. Ça peut discuter comment comprendre entre le Barthénora et le Tiferet Israël. Selon le Tiferet Israël, c'est à la forme pronominale, que tu te fasses savoir. C'est-à-dire, en fait, en réalité, c'est-à-dire, Hachem, il a créé cet ordre du monde où on est tous passagers, où la vie elle passe très très vite justement et qu'on va être appelé à être rejugé, afin que tu réalises et que tu aides les autres à réaliser et que si tu n'as pas la capacité toi-même de bien réaliser tout seul, tu te fasses aider à bien réaliser cet axiome que quoi ? Chez où elle, Kachem est le Tout-Puissant. Elle, c'est la traduction, c'est une forme de, ça veut dire Dieu, mais c'est dans le sens qu'il est Tout-Puissant. Ou a yotzer, ou a boré. C'est lui qui a tout créé. La différence entre yotzer et boré, boré, ça veut dire qu'il a créé, il a créé. Mais il y a quand même une différence, c'est que boré, c'est qu'elle a fait sortir yesh me'ayin, elle a fait sortir du néant. Alors que yotzer, c'est qu'il crée, mais en prenant les éléments qui existent déjà pour ensuite les modifier et leur donner une tsura. D'où le mot yotzer, tsura. À la différence de boré, c'est plus yesh me'ayin. D'accord, en tout cas. Donc, Hachem a créé ce monde afin de dévoiler qu'il est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui l'a créé. Hu Amevin. Sache que Hachem aussi, il comprend tout, il lit les profondeurs des pensées des hommes. Et Hu Adayan, c'est lui le juge. Imaginez que vous avez un juge, que il vous a créé, et il lit dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos motivations, dans tout ce que vous faites, et ensuite il vous juge selon ça. Hu Ed. Et en plus de ça, il est lui-même le témoin. On ne pourra pas lui cacher quoi que ce soit. Hu Baal Din. Et c'est lui, en plus de ça, hein, le Baal Din, ça veut dire le propriétaire qui réclame. D'accord ? Donc c'est lui qui réclame, il réclame des comptes parce que c'est mon monde que tu as abîmé ou non. Ou au contraire, que tu as fait évoluer. Vehu Atid Ladun. Et c'est lui qui va être appelé à juger. Baruch Hu. Qu'il soit béni. Qu'il n'y a pas devant lui de avla, le jugement erroné.
Il n'y a que la vérité qui sort de lui. Velo shichecha, il n'y a aucun oubli. Velo masupanim, et aucune corruption, je dirais, ou aucune faveur accordée à qui que ce soit, mais chacun est jugé avec équité. Velo mikar shochad, et il ne sera pas possible de lui donner aucun pot de vin. Sheakol shelo, pourquoi on ne peut pas donner du pot de vin, aucun pot de vin à Hachem? Sheakol shelo, car tout lui appartient. Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui donner de plus pour lui rajouter quelque chose alors que tout lui appartient? Donc, son jugement est plein d'équité, de émet. Veda sheakol lefi acheshbon, et sache que tout sera compté là-bas selon un compte très précis. Il continue en nous enseignant, en nous disant, et ne crois pas que tu parviendras à fuir le Sheol, le fait de la descente de manière générale. En fait, il vient nous prévenir, ne crois pas qu'on a moyen de fuir le jugement. Il y en a par exemple qui veulent porter atteinte à leur vie en se disant que ce sera mieux après. Eh ben non, ne crois pas que... Ne crois pas ton Yetzerara, Aliyavti Chacha Yetzerara, que ton Yetzerara ne te fasse pas, n'essaye pas de te convaincre, Shasheol Bet Manos Lach, que le cercueil sera un moyen de fuir la réalité, parce que bien au contraire, Shal Korcha Chatanotzar, malgré toi, Hachem t'a créé, malgré toi, Bel Korcha Chatanolad, malgré toi, Hachem t'a fait naître. Et malgré toi, Hachem te fait vivre. Et malgré toi, Hachem décidera de te reprendre la vie lorsqu'il le voudra. Et finalement, et malgré toi, tu seras invité à rendre des comptes et juger en fonction de tes actions. Devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qu'Hachem soit béni. Voilà à peu près le terme de la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.